his opposite number is Tilo Strogowski. Arguably too quickly for their own good there. Just running out of space. Yeah, just if you stay there, it's okay, but I don't want more of that. So don't, no stick grabbing and stuff like that. Well, there's not much of Laureen Delforge. A lot of common sense. Yeah. She is a wonderful, wonderful umpire. La plus grande arbitre belge à l'heure actuelle au niveau international et une des meilleures arbitres internationales aussi, qui a quand même deux Olympiades à son actif et qui représente fièrement les couleurs belges au niveau de l'arbitrage au hockey. Elle comprend très très bien le jeu, elle a une faculté d'adaptation qui est quand même assez énorme. Elle a des qualités humaines, je dirais au-dessus de la moyenne certainement, une grande faculté d'écoute, une remise en question perpétuelle et c'est vrai qu'on discute toujours de manière très positive et en tout cas pour faire grandir l'arbitrage belge aussi. Dangerous, all right. For me it was not dangerous, but good. Say again? He has the right for video. So you asked for danger. The stick check. So it's corner. We'll check for danger, right? Well, this is a roll of the dice, I think. Yeah. And it's most decisive. Here comes the call. There is no clear reason to change your decision. So no clear reason to change the decision. There was no danger. No danger, guys. Well, we could, all right? You are going in the space. No worry. No problem. It's men's hockey, guys. Come on. Je vais juste accrocher ça à la fenêtre. Tu fais ça pendant combien de temps? Généralement, je fais ça 5-10 minutes en fonction de l'heure à laquelle est mon match. Donc la lumière rouge, en fait, c'est une lumière de distraction. Donc si je tape dessus, c'est game over. L'arbitrage, c'est en fait un sport où on doit prendre des décisions. Il faut que son cerveau soit le plus allumé possible. Et donc ça, c'est vraiment un moyen de, voilà, de m'éveiller, de me réveiller parfois. Tous les matchs sont mis en ligne. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas... Alors, c'est intéressant de voir les matchs que j'ai moi-même arbitrés, mais c'est aussi intéressant de voir des matchs arbitrés par d'autres, mais qui concernent les équipes que je vais arbitrer. Donc ici, par exemple, j'ai pris un match de l'Angleterre. Ce soir, c'est un peu différent, parce que ce sera un match moins de 21, mais ça reste voilà, un style de jeu que je peux un petit peu analyser, essayer déjà de me mettre dans le match et voilà, essayer de visualiser un peu ma soirée. Ici, je vais regarder un peu, voilà, est-ce qu'elles sont en full press, qu'est-ce qu'elles aiment jouer comme phase de jeu. Essayer aussi déjà de me concentrer, de me mettre en mode match, surtout vu que, en tout cas aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, donc c'est arrivé à faire le switch et me mettre en mode hockey pour ce soir. J'arbitrais ma fille régulièrement et elle était un petit peu tatillonne sur l'arbitrage. Ce qui n'était pas toujours agréable pour les arbitres. Et donc un jour, je lui ai dit, j'ai mis au défi, mais non, c'est fini, tu vas arbitrer, tu verras ce que c'est. Et voilà, de fil en aiguille, elle a arbitré un match, puis deux, puis trois, puis quatre, puis elle a été vue par les gens du comité d'arbitrage, et puis elle a été suivie, puis elle a été coachée, et voilà, son parcours, on la connaît, je pense. Donc le point de départ de l'histoire, c'est son irritabilité? Je dirais ça poliment, oui, son irritabilité, voilà, peut-être pas grossièreté, mais son irrévérence vers la vie des arbitres, oui. Vous auriez cru qu'elle serait arrivée là où elle est aujourd'hui, au départ? Pas du tout, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. C'était une excellente joueuse. Je savais qu'elle avait un avenir au niveau du hockey en tant que joueuse. Ça, j'étais sûr et convaincu, mais pas dans l'arbitrage. Franchement, non. C'est une surprise, une bonne surprise. Il y a moins d'affaires à prévoir pour une arbitre que pour une joueuse. Oui, en tout cas, moins imposant. J'ai pas un sac avec mon stick, protège tibia, etc. Donc... clairement qu'il faut faire attention de rien oublier, mais le sac est un peu plus petit qu'en tant que joueuse. Petit rituel pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Sifflet, carte, montre, c'est bon. J'ai commencé l'arbitrage un peu par hasard, pour être honnête. Je ne m'étais jamais dit que je vais devenir arbitre. Et une fois que j'ai commencé, je ne m'étais jamais dit qu'un jour j'irai au niveau international, encore moins que je participerai aux Jeux Olympiques et encore moins que je fasse une finale et maintenant deux depuis Tokyo. Donc non, c'est clairement inattendu. Souvent, l'arbitrage, on s'y met comme deuxième carrière, on a fini de jouer ou on s'est blessé, donc on trouve un autre passe-temps ou un autre hobby qui est l'arbitrage. Moi, j'ai commencé très tôt, un peu par hasard, mais j'ai tout de suite accroché. Et depuis ce moment-là, il n'y a pas moyen que je choisisse, donc on continue à faire les deux tant que c'est possible. Ton plus beau souvenir?
C'est assez évident. Pour moi, ça restera la finale des Jeux Olympiques à Rio, qui étaient mes premiers Jeux Olympiques. Arriver là en tant que... J'étais la plus jeune arbitre à ce niveau-là et arriver pour mes premiers Jeux à immédiatement faire la finale dans un stade complet, c'est vraiment... ça reste mon plus beau moment jusqu'à présent. Ouais. Ma collègue, ça va? Bien, très bien. Je t'ai pas prévenue. T'es déjà changé ou non, 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 ok, ça va. Vraiment en touriste, vous avez du boulot. Bien sûr. Changing rooms, voilà, c'est bon. Je suis jamais venue ici non plus. Moi. Ah, parfait. Voilà. C'est un match amical, moins de 21, Belgique contre Angleterre, avec les moins de 21 qui se préparent pour leur Coupe d'Europe en juillet. Donc, tant qu'arbitre, on essaye de trouver quand même quelques matchs amicaux pour se mettre en jambes. Ici, c'était l'occasion, parce que je pars demain pour la Pro League, donc après, ça va s'enchaîner très très vite. Thank you. Sorry, we it's okay. 10 pieces? I have no. You can choose which hand? That one. So you can choose ball or side? Have a good one. Thank you. Enjoy. Let's go then. Mais je pense qu'elle est très posée, c'est une qualité importante, elle est calme, donc elle réfléchit ses décisions, elle n'est pas dans l'impulsion, elle n'est pas dans la rapidité, donc elle réfléchit bien à ce qu'elle va prendre comme décision. Je pense qu'aussi ses études et les juristes de formation l'ont amenée à avoir une conception du droit, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qui est bien et pas bien. Et donc je pense qu'elle a associé ça à l'arbitrage et une éducation aussi où on l'a quand même bien entourée, je dirais. Voilà, elle a ces qualités-là d'être certainement calme et posée et certainement pas se monter la tête et se rendre irritable par des réflexions désagréables de joueurs, par exemple. Plutôt bien, c'est calme. Faut que ça reste comme ça maintenant. C'est pas le match le plus haut niveau que tu arbitres. C'est U21 et tu sens que c'est quand même on sent que c'est quand même un match amical quoi. Mais tant mieux, ça nous permet de nous mettre en jambes aussi. Donc c'est pour ça qu'on est là. Au foot, enfin, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais il y a quand même un arbitre central. Ici on est deux et faut être sur la même longueur d'onde du début jusqu'à la fin. Sinon. Donc jusqu'à présent ça se passe bien, mais on espère que le deuxième mi-temps soit pareil. Même un niveau au-dessus. Ouais, un petit peu de. Un petit peu d'excitation. De côté au même moment. So how much you got left? I still have 7:30. Yeah. Put 8. It's okay. 8. I'm gonna go from there. Sans l'anglais dans l'arbitrage. Non, en international, sans l'anglais, ça va pas, ça marche pas. Après chaque tournoi, on ressent un petit bulletin, on est même coté sur notre anglais, donc plutôt intérêt à savoir parler correctement. Laurine, pour toi, c'est un modèle, je sais pas, c'est un exemple à suivre. S'il te plaît. Mais clairement. Pourquoi Je n'étais pas encore arbitre à la. Je pense que c'était à Boom Coupe d'Europe. En 2013, c'était une Coupe d'Europe, ouais. D'Europe, ma première Coupe d'Europe. Et là, j'ai vu la première fois le hockey à haut niveau et j'ai vu Laurine, donc je me suis dit, tout le monde. Il y a moyen. Quels sont ses points forts dans l'arbitrage selon toi? Son côté humain, selon moi. Vraiment, elle comprend les joueurs. Et je trouve ça important. Je suis persuadée que le fait que je joue me permet d'avoir une certaine vision du jeu en tant qu'arbitre, de comprendre ce que les joueuses essayent de faire, de comprendre leurs émotions aussi, parce que j'ai les mêmes moi en tant que joueuse. Et inversement aussi, le fait que je connaisse les règles en tant que joueuse me permet d'un peu jouer parfois avec quelques règles. Et puis voilà, de pouvoir aussi arriver à respecter les règles. Être arbitre, c'est pas une question d'argent, c'est ça ma passion. Non, clairement. Le jour où on arbitre pour l'argent, je crois qu'on arrête tout de suite.
on est complètement amateur et on fait vraiment ça par passion. On combine ça, voilà, il faut un métier, un vrai métier à côté, je veux dire. Mais voilà, on aime ça. Comme je disais, ce qu'on aime surtout dans l'arbitrage, c'est la grande famille qu'il y a autour. Voilà, revoir Alexandra que j'ai plus vu depuis un petit temps. Voilà, c'est juste à part. Il faut être dedans pour savoir ce que ça représente. Ah ben je pense qu'elle peut encore avoir de belles années devant elle, certainement encore, à mon avis, une voire deux, peut-être trois Olympiades et peut-être devenir la plus grande arbitre belge de tous les temps au niveau du hockey.